et nous vous prions de prêter une oreille attentive aux annonces qui vont vous être présentées. Annonce locale. Alors, nous vous rappelons, et surtout pour nos visiteurs, que pour garder une bonne entente avec le voisinage, le stationnement est interdit sur le parking du restaurant Mandarin qui se trouve juste sur la droite. Donc, si malencontreusement vous étiez garé sur ce parking, donc il vous est demandé d'aller déplacer votre véhicule. Vous l'aurez compris, aujourd'hui est un sabbat spécial puisqu'il s'agit de l'investiture. Donc, aujourd'hui, nos jeunes vont être récompensés pour leur engagement et pour leur travail. Alors, le département JA vous remercie pour votre présence et pour votre soutien. Cet après-midi, compétiteurs, compétitrices, vous êtes tous invités à venir à l'église d'ici 15 heures pour la grande énigme annuelle. Donc, cette énigme est pour tous, donc toute l'église est invitée. Et pour cette énigme, donc, vous avez été demandé de préparer et d'étudier le livre de la Genèse dans la slide suivante. Donc, pour les sections bourgeons à explorateurs, donc le livre de la Genèse de la version Parole de vie, et pour les compagnons, ambassadeurs, aînés et pour les adultes, dans la version Nouvelle Bible Second. Le 24 février, vous êtes tous invités à une grande soirée jeu qui aura lieu à la salle aux 20 places des Touleuses à partir de 18h45, donc toujours sous la houlette du département JA, pour pouvoir financer donc, tous nos projets à venir. La permanence santé aujourd'hui est tenue par le frère Josué et le frère Frankel. Annonce fédérale, du 4 au 9 février, il vous est proposé une semaine de prière pour tous avec le pasteur Karine Eloidin. Donc, cette semaine de prière se tiendra sur le Zoom qui est affiché juste derrière moi. Donc, si vous souhaitez y participer, vous êtes prié aussi de vous rapprocher des personnels du personnel de communication pour obtenir le lien du Zoom. Donc, je vais vous laisser avec les paroles de Romains 15, verset 13, qui est dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et je vous souhaite à tous un bon sabbat.
Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui sur toutes les routes nous envoie témoigner son amour. Les chemins de la terre et chantons l'espérance et la joie à ceux qui pleurent sans lumière. Partager le vin de l'amitié avec tous les peuples de ce monde, apporter à tous ceux qui n'ont rien. Éternel notre Dieu, notre Créateur, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous sommes dans la joie parce que c'est un jour de sabbat. Et nous sommes venus de plusieurs foyers pour pouvoir t'adorer, pouvoir te remercier de nous avoir protégés dans cette semaine. Et permets que ce moment d'investiture de la jeunesse puisse être un moment de joie, joie pour l'Église ici à Puisieux-Pontoise, et que ta présence, ton Esprit Saint, puisse être en permanent avec chacun de nous. Amen. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes autant dans la joie que ces jeunes qui vont s'engager aujourd'hui encore plus dans la mission que le Seigneur leur aura confiée. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour pouvoir accompagner ces jeunes et je vais vous inviter à louer le Seigneur tous ensemble. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus que l'amour du Seigneur vous accompagnera tous les jours? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans votre vie, ne serait-ce que cette semaine? Le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour. Amen. Alors nous allons lui offrir notre reconnaissance. Offrons au Seigneur une reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance. L'amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et
du lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Jamais, chantons-le ensemble. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Je vous entends le chanter. Jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais. À jamais Dieu, notre Dieu est fidèle et grand, et il est digne d'être loué et exalté, n'est-ce pas? Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera, tout l'univers se réjouit en son. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son Roi est
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen, amen, amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Notre seul abri, c'est qui ? C'est Jésus, c'est Dieu. Amen. Je vais vous inviter à former une belle chorale pour notre Seigneur en chantant « Mon seul abri ». La colonne de droite, du coup, vous allez suivre le chœur qui va continuer le chant et vous, vous allez me suivre, d'accord ? Et après, on va tous reprendre tous ensemble. En ce sabbat 27 janvier, j'ai l'honneur de pouvoir vous souhaiter à tous, membres et visiteurs, une cordiale bienvenue sous le toit de notre Seigneur. Je sais qu'il fait un petit peu froid, mais le Seigneur est au milieu de nous, il va tous nous réchauffer. Vous avez pu remarquer qu'aujourd'hui, c'est un sabbat un peu particulier, c'est une cérémonie d'engagement. Donc pour l'honneur de cette journée, je souhaite souhaiter un petit verset à ceux qui vont se engager, mais à tout le monde, qui se trouve dans Ésaïe 40, versets 29 à 31,
qui dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Bon sabbat. Bonjour à tous, c'est le moment de repentance. Donc Tabitha va nous lire le texte, après quoi nous allons prier. Je vais vous inviter du coup à vous tenir debout pour la lecture du texte biblique. Et ensuite, nous allons prendre la position qui nous convient à chacun. Et je vous demanderai de garder la position jusqu'à la fin du chant. Voilà, donc jusqu'à la fin du chant, gardez votre position. Écoutez le texte et écoutons pardon, le texte et après nous prendrons la position qui nous convient pour prier. Bonjour à tous. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient menacés de très près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Amen. Donc que chacun puisse prendre la position qui lui convient du coup pour que nous puissions invoquer le nom de l'Éternel. Éternel Dieu trois fois saint, voici ton Église devant toi Seigneur. Oui, jusqu'à maintenant tu nous as secourus, tu nous as fait du bien. Et en ce dernier sabbat de ce premier mois, Père, nous voulons te dire notre reconnaissance pour qui tu es et pour combien tu nous as bénis, tu nous as assistés. Tu as fait du bien aussi aux membres de notre famille. Aujourd'hui, nous venons également te présenter nos dîmes, nos offrandes, le fruit de tout ce que tu nous as permis de récolter. Et nous voulons vraiment, Seigneur, dire gloire à ton nom. Nous voulons te présenter celui que tu as choisi afin de pouvoir parler en ton nom à cette jeunesse, mais que nous aussi, en tant que parents, nous puissions recevoir ce message. Et non pas seulement en tant que parents, mais en tant qu'Église. Que ce message, Seigneur, puisse être vraiment le sujet d'une transformation, d'une restauration, mais également d'un nouveau départ. Notre Père, notre Dieu, tu vois la situation de nos frères et de nos sœurs, de tous ceux qui sont accablés par la maladie ou par des souffrances. Et nous croyons, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour secourir ni pour sauver. C'est pourquoi nous te les présentons et nous prions que durant ce moment, Seigneur, ils puissent recevoir, peu importe là où ils se trouvent, ta bénédiction. Ô mon Dieu, reste avec nous et dirige ce programme par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Service de fidélité. Une église locale fonctionne parce que ses membres suivent la direction imprimée par le Saint-Esprit et font preuve d'une attitude de respect et d'amour envers leurs prochains. Souvent, des personnes qui étaient étrangères l'une à l'autre s'intègrent dans la famille de l'église qui adore Dieu et travaille ensemble. Un tel groupe devient un puissant corps spirituel et est capable de répondre à tous les défis. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Ces merveilleuses promesses nous maintiennent spirituellement forts. Notre attitude envers les offrandes est aussi un indicateur de notre force spirituelle.
La Bible nous affirme clairement que l'esprit dans lequel nous donnons est plus important que la somme que nous donnons. Le fait de s'écarter des instructions positives de Dieu concernant les dîmes et les offrandes est consigné dans les registres du ciel comme un vol à l'égard de Dieu. J'invite les Jacks et la Jaconesse à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour nous, quelle joie de savoir cela. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Thank you.
bien, bonjour les enfants. Waouh. Je vois le tapis, il est rempli, mais j'entends rien. Vous êtes déjà très attentifs pour l'histoire, c'est ça. Bonjour les enfants. Bonjour les plus grands. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous raconter l'histoire du jour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon sabbat. Alors, mon histoire. Mon histoire concerne un roi qui a vécu pendant les temps de la Bible. Donc, il y a très, 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 très longtemps. Et donc, ce roi, il a hérité de son père un royaume, mais un magnifique royaume. C'était un royaume très, très puissant pour l'époque. Et donc, son père avait fait des mauvaises expériences, mais voilà, il n'avait pas toujours écouté Dieu. Mais finalement, avant de mourir, il a fait de bons choix. Et il a laissé son beau royaume à son fils. Alors, je ne vais pas dire le nom de ce roi, je vais juste dire que pour lire l'histoire de ce roi, il va falloir aller dans Daniel 5. Vous lirez ça avec papa et maman, ok ? Ok, je poursuis mon histoire. Et donc, le fils du roi est devenu roi à son tour et a hérité de ce magnifique royaume. Et donc, dans ce royaume, voilà, vous voyez derrière, il y avait des jardins suspendus. C'est-à-dire qu'on avait des jardins au niveau des bâtiments et c'était un exploit architectural pour l'époque. Et en plus de ça, tout autour du royaume, il y avait des murailles très, très épaisses. Comme ça, le royaume était en sécurité. Les ennemis ne pouvaient pas rentrer facilement. Donc, le roi était en sécurité dans son royaume. Il était très fier et en même temps, il se sentait en sécurité. Rien ne pouvait lui arriver. Alors, ce roi-là, il aimait bien faire la fête. Donc, il faisait la fête et tout et tout. Et un soir, alors qu'il faisait encore la fête, eh bien, une armée ennemie est rentrée dans le royaume. Oh ! Alors là, il ne s'y attendait pas du tout. Il ne s'y attendait pas du tout parce qu'en fait, il se disait, avec des murailles aussi épaisses, qui va rentrer ? Et pourtant, une armée est rentrée. Vous savez comment ? Est-ce que vous avez une idée ? Dis quoi, toi ? Il a cassé une fenêtre. Est-ce qu'ils a cassé une fenêtre ? Est-ce qu'ils ont creusé un trou ou est-ce qu'ils sont réussi à faire ça par le haut ? T'es presque proche de la vérité. Ils ont cassé la porte de les murailles épaisses. Ah, allez, une dernière réponse. Est-ce qu'ils ont pris une branche et ils ont allé tout en haut du royaume pour aller casser pour rentrer de là-haut? Alors, vous avez beaucoup d'imagination, mais la réponse, je vais la donner. Eh bien, dans ce royaume, il y avait un fleuve qui traversait. Alors, pendant que le roi il était en train de s'amuser, eh bien, l'armée ennemie a creusé, comme disait Samuel, pour détourner le fleuve qui rentrait dans le royaume. Et ainsi, tranquillement, l'armée est rentrée, paf, 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 et voilà, tout le monde était cerné à l'intérieur du royaume. C'est bien dommage. Eh bien, voilà, et c'est ainsi que le royaume a été pris par l'armée ennemie. Alors, nous, on a un autre royaume. Chacun, on a un royaume qui nous a été donné. Et donc, en fait, on va comparer notre corps à ce royaume qui nous a été donné. On est tous de belles créatures, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec ça ? On a des bras, on a des jambes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les jambes ? Marcher. Avec les yeux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Regarder, très bien. Avec quoi d'autre ? Les mains, qu'est-ce qu'on peut faire ?
On peut toucher, on peut tenir, on peut jouer. Ah bah ouais, c'est important de jouer, n'est-ce pas? Ok. Et donc, avec ce corps merveilleux, on peut faire plein de choses. Et ben, tout comme le roi, on a une responsabilité quand on a un corps merveilleux comme ça. C'est de quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On peut marcher. Oui, c'est vrai qu'on peut marcher, mais pour garder ce royaume en bonne santé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Se sécuriser pour ne pas mourir. Oui. Donc, je vais vous donner un petit, pour qu'on puisse avancer. Eh bien, on va essayer d'avoir de bonnes habitudes pour pouvoir le conserver en bonne santé. Donc, pour cela, on pourrait, donc, comme bonne habitude, bien dormir, par exemple, ou bien manger, ou encore bien boire de l'eau. Ce sont des choses que l'on peut faire pour aider notre corps à être en bonne santé. Alors, j'ai une petite feuille pour vous, les enfants, pour vous aider à prendre de bonnes habitudes. Alors, ici, par exemple, si vous décidez de boire plus d'eau, par exemple, eh bien, voilà, vous avez par jour un nombre de verres. Vous entourerez avec papa et maman le nombre de verres que vous avez bu dans la journée. Comme ça, hop, jour 1, eh bien, j'atteins mon objectif de boire plus d'eau. Ok, les enfants? Alors, donc, avant d'aller plus loin, on va prier pour remercier Dieu pour ce corps et on va prendre la décision de prendre de nouvelles et bonnes habitudes. Vous êtes OK avec moi? Alors, la prière est affichée derrière moi. Pour certainement certains d'entre vous savent lire, mais moi, je vais le lire et vous allez répéter après moi. Ça marche? OK. Merci Jésus, car tu m'as fait et je suis une créature merveilleuse. Merci parce que je peux jouer, parler et réfléchir. Aide-moi à avoir de bonnes habitudes pour aider mon corps à rester en bonne santé. Amen. Alors, pour les feuilles, je vous les donnerai après le culte. Ça marche? Merci à tous. Bon sabbat. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Dans
Dans 1 Samuel, verset chapitre 14, verset 6 à 10, on dit « Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste ces incirconcis, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, ça, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute pas que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est ce qui nous servira de signe. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Bonjour, Puiseux Pontoise. Je l'ai bien dit. Lorsque je vous regarde, j'ai un avant-goût du ciel. J'espère vous retrouver là-haut, moi aussi. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Que le Dieu que nous servons, que nous aimons, que nous chérissons, puisse nous accorder une bonne santé, mais aussi de joie, de bonheur, de prospérité. En attendant la bienheureuse, glorieuse, c'est-à-dire son retour en gloire. J'espère tous nous retrouver là-haut et puis nous pourrons nous chérir, plus de maladies, plus de deuil, plus de séparation. Il y a deux jours, j'étais en plein 26-27 degrés, et je me retrouve dans le froid. Mais ce n'est pas grave, on s'habitue. Si vous avez apprécié ou été attentif aux deux textes qui vous ont été lus, c'est dramatique. Hein? Quelle période stressante! Chaque Israélite sait que les Philistins ne sont pas des gens qu'il faut taquiner. En fait, ils vivaient dans ce pays bien avant que les Israélites arrivent. Ce sont des guerriers, des pillards, des conquérants. Aucune nation n'est protégée. Même les Égyptiens, puissants Égyptiens, ont dû faire face aux Philistins. Alors, quand ils arrivent, on n'échappe pas à la guerre. Et dans ces moments-là, rien ne peut nous aider. Ni les réflexions intelligentes, ni les gens sympas. Rien ne peut les arrêter. S'ils sont en chemin, vous pouvez vous attendre au pire. Et peut-être même prier pour que la paix revienne un jour dans le pays. Mais cette fois, c'est la faute des Israélites. Pourquoi se sont-ils mis en guerre? Quand les troupes de Saül ont réussi un petit exploit, ils ont vaincu quelques gardes. Pourquoi ils se sont mis à célébrer comme s'ils avaient gagné une grande victoire? Ils se sont moqués des Philistins comme si c'était eux les héros. Nous sommes peut-être heureux que la paix règne dans la ville ou dans notre pays, dans notre commune, Puiseux, Pontoise. Parce qu'on m'a bien dit de dire Puiseux, Pontoise. C'est bien ça. Pour ne pas dire Pontoise simplement. Excusez-moi. Sans s'inquiéter que peut-être ton bus scolaire ne soit pas la cible d'une bombe à tout instant. Peux-tu te réjouir d'obtenir un stage ou un emploi sans avoir peur de le perdre le lendemain? Peux-tu être fier de commencer une relation avec une fille ou un garçon que tu as rencontré et commencer une vraie vie de famille heureuse sans penser sans cesse que cet amour pourrait finir? Parce qu'aujourd'hui, il y a des politiciens ou des hommes qui vous promettront la victoire.
victoire sur le chômage, d'avoir davantage de stages dans de brefs délais pour les diplômés, les politiciens favorables à la famille, des mesures plus fortes contre le terrorisme, plus de sécurité, plus de protection pour chaque homme et chaque femme. Et parfois même, nous les mettrons sur des trônes. N'est-ce pas? Nous leur faisons la fête. Mais laissez-moi vous dire, ils ne parviendront jamais à régler ce problème de la vie quotidienne. Ils vivront bientôt dans la terreur, dans le chômage, dans le divorce, l'effondrement des systèmes sociaux, la brutalité, la violence. Aujourd'hui, notre société doit vivre des temps qui ressemblent à ceux que Saül a vécu peu avant l'attaque des Philistins. Ils sont submergés par la peur. J'ai même presque envie de vous dire une peur inexplicable. Et soudaine, ils ne savent plus quoi faire. Les gens se rendent compte, comme dans 1 Samuel 13, verset 6, les hommes d'Israël, écoutez bien, se cachèrent dans des cavernes, dans des citernes, dans les rochers, dans les tours qu'ils avaient fabriqués. Ça veut dire qu'ils traversent une période de danger, d'affliction, qu'ils se cachent dans l'enfer qu'ils se sont eux-mêmes fabriqués, dans les fossés, et certaines même essaient de s'enfuir dans les pays étrangers. Comme aujourd'hui, certains de nos jeunes essaient de fuir dans la drogue, dans la prostitution, dans des abus de toutes sortes. Tout ou rien. Et à ce moment-là précis, un jeune homme se lève, un jeune Jia, comme vous et moi. Enfin, moi, un peu déprimé. D'accord. Ce jeune homme, ce jeune Jia, n'a pas encore joué un rôle dans la vie sociale, politique ou même militaire, de premier plan. Mais il veut faire quelque chose. Il veut changer les choses. Comment est-il capable de se lever contre les Philistins au milieu de ce climat de peur? J'ai presque envie de vous dire quelle était sa motivation. D'où venait cette force d'agir sans peur des conséquences catastrophiques que cela a pu causer? Est-ce que c'est normal pour un jeune de jouer les héros? Est-ce que c'est normal pour un jeune JIA qui n'a qu'un tout petit CV et qui n'a même pas d'expérience? Et d'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire, à quoi rime ce show de ce jeune JIA qui prend avec lui que celui qui porte ses armes? Contre, écoutez bien, une armée composée de 1000 chars, 6000 cavaliers, et ce peuple est aussi nombreux que le sable de la mer. Il part en guerre avec le porteur de ses armes. Vous savez de qui je vais vous parler? Vous le connaissez? Dites-moi son prénom ou son nom. Évidemment, voilà. Jonathan doit faire face à une situation particulière. Lui et son père possèdent des armes, parce que les Philistins avaient détruit tous les forgerons pour construire les armes. Seuls Jonathan et Saül peuvent faire la guerre et mobiliser les foules. Mais Jonathan est différent de son père. Il part avec celui qui porte ses armes. Et généralement, quand Israël se met en guerre, il y a quoi? Les trompettes, 100 trompettes. Jonathan marche avec humilité, le courage de servir devant Dieu, parce qu'il sait quelque chose. Ce ne sera pas lui qui va combattre, mais c'est Dieu qui agira. Jonathan donc prend ses armes, c'est le nom générique que l'apôtre Paul utilise dans le Nouveau Testament, toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. La vérité, la justice, la paix, la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. Éphésiens 6, 13 à 17. C'est de ces éléments-là, ainsi que la confiance en Dieu, qui remportera la victoire pour nous, il se dit. La puissance ce matin qui fait avancer chaque JIA ce matin qui va passer leur engagement et qui permettrait de résister au diable et à toutes les armées de ce monde. On ne peut pas trouver une seule phrase qui dise que Jonathan était absolument certain, convaincu que Dieu agira pour lui.
ces paroles. Écoutez bien, il dit, peut-être que l'Éternel agira pour nous. Indique qu'il ne savait pas si Dieu allait agir ou pas. Alors parfois, pourquoi m'engager dans un programme JIA? N'est-ce pas? Pourquoi m'engager dans un programme d'évangélisation ou d'école du sabbat ou du secours adventiste si je ne vois personne qui soit prêt à s'engager pour Dieu? Pouvez-vous faire confiance à un Dieu qui est aussi imprévisible? Pouvez-vous vous engager avec un Dieu qui réagit à, selon son humeur du moment? Est-ce que c'est de cette foi-là que Jonathan a nous proposé ce matin? Quoi qu'il en soit, notre jeune, il parle. C'est sa profession de foi, son engagement qui fait retourner la situation en faveur du peuple d'Israël dans cette guerre contre les Philistins. Cette profession de foi qui a amené un jeune homme et à son compagnon à mobiliser à eux seuls toute l'armée de Dieu à combattre jusqu'à ce que l'ennemi soit chassé au-delà du frontière du pays. Alors, ce jeune a compris quelque chose que nos jeunes qui vont s'engager ont compris. Aucun homme, un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Jonathan connaît ses limites. Il sait que sa connaissance et ses talents sont imparfaits, mais il est certain de remporter la victoire grâce à une aide extérieure. Il sait qu'il n'a aucune chance de réussir sans Dieu. Autre message de ce jeune ce matin. Il sait et il croit fermement que Dieu est capable d'agir. Il ne sait pas si Dieu le sauvera des circonstances actuelles ou résoudra les problèmes, mais il imagine qu'il le fera. Il ne doute pas que Dieu puisse le faire. Il en témoigne lorsqu'il dit dans 1 Samuel 14, verset 6, « Rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand nombre. » Ce témoignage est l'élément le plus frappant qui le pousse à agir. Il croit en la puissance extraordinaire de Dieu. Il a la foi que Dieu agira. Alors, définition de la foi, si je vous demandais. Alors, la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je reprends. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Pierre, jette ton filet à ton Seigneur. J'étais pêcheur. J'ai pêché toute la nuit, j'ai rien pris. Mais sur la parole de Jésus, il jette le filet. Et vous connaissez la suite. Jésus prend la salive de la boue et il met sur les yeux d'un aveugle. Et il lui dit d'aller à Siloé, qui se trouve à 1,5 km d'où il était. Jésus l'a rencontré. Il est aveugle. Mais sur la parole de Jésus, il fait que Jésus, il retrouve la vue. Alors, ces deux hommes croyaient par-dessus tout à l'autorité de Jésus. Ceux qui défendent leur foi seront capables de motiver leurs compagnons et le monde pour qu'ils se lèvent et qu'ils combattent les Philistins de leur époque. Parce qu'il ne faut pas douter. En tant qu'adventiste, en tant que jeune adventiste, il ne faut pas douter. L'amour de Christ, voilà. Troisième message de Jonathan. Il ne se confie pas uniquement dans ses connaissances et dans sa foi. Il s'engage auprès de Dieu dont il vient de parler. Il se lève. Il aurait pu se transformer en théoricien, théologique, satisfait d'une analyse profonde des capacités de Dieu. Il ne se présente pas, il ne présente pas à ses compagnons. Et puis, ça aurait été une occasion en or de trouver un endroit bien confortable dans une grotte et de dire, « Oh, je connais un Dieu super. Il peut absolument tout faire puisqu'ils sont en guerre, tout le monde fuit. » Il va certainement trouver une bonne idée pour nous sortir de là. Il suffit d'être patient. Cela aurait été facile de tout laisser tomber et de regarder dans sa grotte. Mais il se lève et agit. Cela aurait été facile, peut-être pour lui, de regarder les mains dans les poches.
et de voir un groupe de jeunes de mon église, de Puiseux-Pontoise, de mourir et de dire simplement, oh, Dieu va trouver une solution pour eux, une bonne idée pour les sortir de là. Remarquez bien que Jonathan s'est activement impliqué dans une situation dangereuse pour aider Dieu à dessiner le destin de son monde. Alors ce matin, cher J.A. de Puiseux-Pontoise, Dieu ne veut pas voir des J.A. ou des adultes avec les mains dans les poches. Ils ont, comme Jonathan, compris quelque chose ou appris quelque chose en tant que J.A. Je n'ai pas besoin d'être de grande taille. Je n'ai pas besoin d'un diplôme universitaire. Je n'ai pas besoin d'avoir une armée de 300 chars, 6000 conducteurs de chars, des soldats aussi nombreux que les sables de la mer. Mais les J.A. de Puiseux-Pontoise ont compris ce matin qu'ils ont besoin de l'Esprit de Dieu. C'est de l'Esprit de Dieu qu'ils ont besoin, qui les aidera à reconnaître leur véritable situation dans cette guerre pour la vie. Cela leur donnera la force et la puissance infinie de Dieu, et cela leur donnera la force de se lever et prendre position et de former activement leur vie dans ce monde pour Dieu, être un témoin pour Dieu. Quand Dieu prend un J.A. ou un jeune en charge, ou un adulte, on ne va pas les oublier, il ne se trompe jamais. Quand il appelle quelqu'un, il appelle les gens dont il a besoin pour leur donner une mission. Une mission qui doit changer leur monde. Dieu a décidé d'appeler Moïse, Jonathan, Daniel, Joseph, Ruth, Naomi, ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il a décidé d'appeler des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des faiseurs de tentes. C'est lui qui a décidé d'appeler notre groupe de jeunes ce matin ici à Puiseux-Pontoise pour pouvoir qu'ils s'engagent avec lui. Il a décidé d'appeler vous et moi et toutes les autres personnes qu'il voit sur les bancs de cette église parce qu'il croit fermement en eux, parce qu'il croit que Dieu ne tente pas d'expériences incertaines. Dieu ne tente pas d'expériences. Albert Einstein dit, Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne joue pas au dé avec nous. Que cette cérémonie d'engagement ce matin soit un moment de joie, mais un moment de joie personnelle, un moment de joie pour l'Église et pour un moment de joie pour tous ceux qui se sont engagés et surtout un moment de joie pour notre chef guide, le meilleur. Ne suivez pas n'importe quel chef guide. Suivez le top des tops, le Christ Jésus. Un moment de joie pour ceux qui se sont engagés un jour, mais quand j'étais responsable J.A., maintenant je ne suis plus responsable, mon engagement il est caduc. J'étais ancien d'église ou diacre consacré, etc., tous les postes qui existent dans l'église. Oui, mais quand j'étais en poste, maintenant je ne suis plus en poste, je ne suis plus engagé. Si Jésus se désengageait comme nous, oui ou non. Alors, chers jeunes, que ce soit un moment de joie pour chacun d'entre nous. Où en êtes-vous? Où en êtes-nous? Le oui que nous avons dit lors de notre baptême. Le oui que nous avons dit lorsque nous nous sommes engagés en tant que J.A. Le oui que nous avons dit dans notre cérémonie de mariage. Où en sommes-nous? Réfléchissez. Alors, nous devons dire... Ne suivez pas n'importe quel guide, n'importe quel chef guide. Suivez celui qui connaît le chemin, la vérité et la vie, le Christ Jésus. Alors merci Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis j'ai presque envie de vous dire Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons avec impatience. Merci. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans une cérémonie d'engagement. Est-ce qu'il y a d'autres chefs guides dans la salle? Je vais les appeler.
Ce nouveau drapeau, vous le connaissez? Anciennement, c'était quoi? Les tisons. Jean-Marc, ça te rappelle ta jeunesse? D'accord. Où est la responsable? Ah, il y a quelque chose avant. Il nous appelle à l'aventure, il n'y a pas de plus belle voie. Et si parfois la vie est dure, ensemble on y arrivera. Dans les cités ou sous les tentes, nous faisons résonner la joie. Qu'il y ait des sommets, des pentes, nous vivons partout notre foi. C'est nous les aventuriers, car avec Jésus nous marchons. Nous sommes ensemble et tous unis, nous avançons. Tellement de choses à découvrir, tant de personnes à secourir, en suivant celui qui nous montre le sentier. Quand parfois sur la longue route les défis nous semblent trop grands, c'est Jésus qui mène la troupe, il connaît le chemin devant. Nous recevons dans la confiance la force d'aider ceux qui pleurent, car nous avons cette espérance d'aller vers un monde meilleur. C'est nous les aventuriers, car avec Jésus nous marchons. Nous sommes ensemble et tous unis, nous avançons. Tellement de choses à découvrir, tant de personnes à secourir, en suivant celui qui nous montre le sentier. C'est nous les aventuriers. C'est nous. Attendez, attendez. Vous n'avez pas l'air d'être content. Il n'y a que les aventuriers qui chantent. Moi, on va reprendre le chant si la sonneuille, d'accord. Si vous êtes d'accord. Les adultes, vous n'êtes pas exempt de chanter. Vous êtes d'accord? On reprend ça. Au moins taper des mains comme ça en soi. Voilà. On reprend. Dieu nous appelle à l'aventure, il n'y a pas de plus belle voie. Et si parfois la vie est dure, ensemble on y arrivera. Dans les cités ou sous les tentes, nous faisons résonner la joie. Qu'il y ait des sommets, des pentes, nous vivons partout notre foi. C'est nous les aventuriers, car avec Jésus nous marchons. Nous sommes ensemble et tous unis, nous avançons. Tellement de choses à découvrir, tant de personnes à secourir, en suivant celui qui nous montre le sentier. Quand parfois sur la longue route les défis nous semblent trop grands, c'est Jésus qui mène la troupe, il connaît le chemin devant. Nous recevons dans la confiance la force d'aider ceux qui pleurent, car nous avons cette espérance d'aller vers un monde meilleur. C'est nous les aventuriers, car avec Jésus nous marchons. Nous sommes ensemble et tous unis, nous avançons. Tellement de choses à découvrir, tant de personnes à secourir, en suivant celui qui nous montre le sentier. C'est nous les aventuriers. C'est nous.
Vas-y. Donc ce matin, nous avons Lucas qui doit s'engager en premier. Lucas, tu peux avancer. Lucas. Si les parents peuvent avancer aussi, s'il vous plaît. Alors Lucas, nous t'écoutons dans ton engagement. Avec Jésus, ma famille, ma troupe, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Merci. Vous avez bien vu qu'il a dit avec Jésus et ma famille. Ma famille, c'est pas eux seulement. Hein. D'abord eux. Ma troupe, je choisis de faire toujours de mon mieux. Alors, c'est ce carnet qui remplace ces anciennes maletises. Hein. Voilà, merci à Lucas, merci à la famille. Par la suite, nous avons Phoebe. Phoebe, les parents de Phoebe peuvent avancer aussi, s'il vous plaît. Les frères et sœurs aussi, la famille. Erwin, Erwan. Très grande famille. Ton engagement, Phoebe. Avec Jésus, ma famille, ma troupe, je choisis toujours de faire de mon mieux. Bravo, bravo, bravo. Félicitations, Phoebe. Te voilà aventurière. Ça prend du temps. Maintenant, nous avons Samuel. Demandons à la famille de Samuel d'avancer également, s'il vous plaît. Avec Jésus, ma famille et ma troupe, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Merci.
Maintenant, nous avons la petite dernière, Kali. Est-ce que Kali peut avancer, s'il te plaît? Demandons aussi à la famille de Kali d'avancer. La famille de Kali, si vous êtes dans la salle, s'il vous plaît. Alors Kali, on t'écoute. Avec Jésus, ma famille et ma troupe, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Amen. Donc nous avons terminé avec les aventuriers, nous allons passer aux explorateurs. Il y a Lucas qui doit faire sa photo. On n'a pas pris la photo de Lucas. Et nous demandons aussi aux autres jeunes d'avancer parce qu'on va prendre une photo pour les quatre. Qui... Samuel et Phoebe, s'il vous plaît. Bon, je vous laisse prendre avec eux. C'est bon? Ok, très bien, allez-y. Deux personnes. Okay. Nous passons aux explorateurs. Nous allons commencer par Joas. Joas. Désolé, il y a eu un problème sur le nom là. C'est Joas, c'est bien Joas. Les parents de Joas, s'il vous plaît, si vous pouvez avancer. Et sœur de Joas. Et vous, d'accord. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur GIA à progresser à la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur mes repères. Dieu. Alors, est-ce que tu peux me dire le repère que tu préfères? Dieu. Qui dit quoi? Aller à la rencontre de Dieu chaque jour, vivre avec respect les moments spirituels. Amen, amen. On sait que pour les explos, on défait le nœud tison, maintenant aventurier, et on lui met son badge.
L'engagement suivant peut nous montrer qu'on n'est jamais trop grand. On n'est jamais trop grand pour s'engager. Donc nous avons notre animatrice Lauriane, qui est encore avec les béquilles, qui avance quand même. La famille de Lauriane, Samia, hein, et l'ancienne exploratrice. On a bientôt le petit aventurier et on a notre ambassadeur qui avance aussi. Toute la famille, elle est grande. C'est bon. Alors, je t'écoute. Alors, avec l'amour de Dieu, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur GIA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même, de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Je voudrais savoir, parce qu'il y a combien de repères ? Il y en a 4 repères. Alors, je voudrais entendre 2. Alors, je ne vais pas dire Dieu, puisque Dieu, c'est l'essentiel de toute façon, et ça doit être de toute façon le premier repère. Donc, je vais dire l'autre. Je vais dire accueillir et respecter l'autre dans sa différence, être attentif aux besoins des autres. Et puis, je vais dire moi-même. Il faut chercher à être cohérent dans nos actes, nos phrases et nos pensées. Amen. Merci, Lauriane. Alors, j'ai demandé aux explos de venir jusqu'ici pour leur chant. Eh oui, tous les explos. Oui, Val. Moi, j'ai pas... Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui sur toutes les routes nous envoie. Témoigner son amour. On vous entend pas. Plus fort, on vous entend pas. On parcourira avec joie les chemins de la terre et chantons l'espérance et la joie à ceux qui pleurent sans lumière partagée. Le pain de l'amitié avec tous les peuples de ce monde. Tous ceux qui sont rien, un peu d'espoir. Ensemble, nous puissions donner la force à ceux qui doutent, un abri à ceux qui sont perdus sur les chemins de solitude. Avec Dieu, nous ferons des efforts, car c'est lui qui sur toutes les routes nous envoie.
Alors, je demandais à ceux qui ont passé leur engagement de bien vouloir venir ici pour la prière de consécration. Tous ceux qui ont passé leur engagement. Alors, pour ceux qui s'avancent, ils peuvent s'avancer. Les chefs religieux ont posé à Jésus cette question. Si tu es le Fils de Dieu, dis-le-nous franchement. Pendant plus de 3 ans, Jésus leur a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, c'est nous, peuple adventiste, Dieu nous a choisis pour dire au monde qu'en Jésus-Christ, c'est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Suivez celui-ci. Allez-y, le chef. Alors, je vais vous demander de prendre la position adaptée, donc soit debout, soit à genoux pour ceux qui le souhaitent. Et nous allons incliner la tête. Notre Père, notre Dieu, tu vois tes jeunes, Seigneur. Tu les vois. Ils sont ici, ils ont pris cet engagement avec toi. Ils ont choisi la bonne part, ils ont choisi de te servir, de faire partie de ton équipe, de suivre toi, le seul et unique guide. Alors merci pour cet engagement, merci pour ce feu que tu as animé en eux, Seigneur. Et faites qu'ils puissent toujours rester accrochés à toi. Et que même s'ils grandissent, toujours ils puissent toujours rester accrochés et savoir et être des lumières vis-à-vis des autres, Seigneur. Fait qu'ils puissent amener d'autres personnes à toi et que leur engagement puisse retentir au-delà de ces murs, Seigneur Jésus. Je te prie pour cette jeunesse, pour cette église, que tu puisses toujours être autour de nous et que tu continues d'être avec nous tout au long de notre vie. À cet instant, nous te remercions car tu as agi et que tu agiras encore à travers nous. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous apportes. Et fais que nous puissions toujours rester près de toi, rester à tes côtés, et que ton Saint-Esprit puisse nous inonder. Ce sont les grâces que nous te réclamons. Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir tous debout et nous allons prendre ensemble. Ah oui, on fait un peu de sport le matin, on se réchauffe ensemble. Nous allons prendre notre chant thème, le chant thème de la JIA, « Je louerai ton nom ». Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Répétez après moi. Sera annulé sans effet le ressuscité.
influencer. Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que la paix et la charité avec la foi soit donné aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Allons en paix. Amen. Vous pouvez vous rasseoir et nous vous souhaitons à toutes et à tous un agréable sabbat dans le Seigneur. Sur toi, mon âme, l'annonce sur
Choisi et qui me fait